Ce lundi 5 juin, Guillaume Lauvergnat a fait une grande annonce sur son compte Instagram. Une révélation qui intervient quelques mois après l'incendie qui a ravagé sa ferme pédagogique. Guillaume Lauvergnat a eu la peur de sa vie. En avril dernier, l'ancien candidat de l'Amour et dans le Pré avait annoncé aux internautes que sa ferme pédagogique avait été victime d'un incendie. Sur son compte Instagram, l'agriculteur de la saison 17 de l'émission de dating de M6 avait dévoilé des clichés impressionnants de son domaine de Lavianne, dans l'Allier, ravagé par le feu. Aujourd'hui, nous avons vécu l'enfer des flammes dans notre ferme. Comment? Pourquoi? On ne sait pas, mais les experts viendront, avait annoncé celui qui vit une belle histoire d'amour avec son prétendant homme. À l'époque, il avait cependant expliqué que les animaux avaient pu être sauvés à temps, tout comme la plupart de ses tracteurs. Il a tout de même déploré de nombreux dégâts mais a rapidement retrouvé le sourire grâce à un incroyable élan de solidarité. Guillaume Lauvergnat retrouve le sourire des mois plus tard, cet incident n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Guillaume qui a pu rapidement reprendre ses activités et rouvrir aux visiteurs son domaine. Ce lundi 5 juin, l'agriculteur a même annoncé une très grande nouvelle sur la story de son compte Instagram. Youpi! Arrivé de notre nouveau matériel pour remplacer celui qui a brûlé dans l'incendie de la ferme, a-t-il confié sur le réseau social, tout en faisant un peu d'humour, l'influence paye pas assez pour acheter du gros matériel, a-t-il déclaré, en remerciant deux sociétés pour la fourniture du matériel. Les autres, ils nous ont copieusement oubliés, a-t-il lancé. Trop content, on va pouvoir attaquer le foin, a-t-il conclu. Tout est bien qui finit bien pour Guillaume qui va pouvoir enfin tourner la page sur le drame qui aurait pu lui coûter son petit paradis dans lequel coexistent des pans, des wallabies et ou encore des alpagas. Un havre de pêcheur à son cœur.